Last October, in the quiet Mississippi town of Pascagoula, two local men confronted authorities with a rather bizarre story. Charles Hickson and Calvin Parker told of a strange craft landing near their fishing site and of being taken aboard by three unearthly creatures. The two men were questioned under hypnosis and lie detectors, but their story remained intact. One of the men suffered a nervous breakdown and is still under treatment. Le plus souvent, le réveil d'un sommeil profond nous fait vaciller, car la désorientation provoquée entre l'esprit et le corps est déroutante. Il devient impossible de différencier les actions que nous effectuons lorsque nous sommes éveillés de celles que nous effectuons lorsque nous sommes endormis. Selon la science, ce phénomène d'inertie du sommeil est réel, tout comme les longues périodes de perplexité qui s'ensuivent. Mais vous est-il déjà arrivé d'être mal à l'aise après le réveil en raison de l'état de flottement et du déséquilibre cognitif qui s'ensuit? Au point que votre corps a l'impression d'avoir voyagé dans l'espace et le temps? Que vous avez vécu parmi des êtres extraterrestres et qu'on vous a déposé juste avant votre réveil? Aussi bizarre que cela puisse paraître, depuis le début des années 1950, de nombreuses personnes ont affirmé avoir été enlevées par des extraterrestres. Et la saga continue, car le débat sur l'existence d'une vie au-delà de la Terre n'a jamais été exclu et ne pourra jamais l'être. Peut-être que ce sont les extraterrestres qui ont enlevé le vol MH370 de la compagnie aérienne malaisienne? Bienvenue dans le laboratoire 360, il est temps d'explorer. En mars 2024, 5640 exoplanètes ont été confirmées dans la Voie lactée, ce qui laisse supposer que ces planètes pourraient abriter une forme de vie. Avec ces possibilités scientifiquement prouvées de vie dans l'espace, il est difficile de nier la présence d'ovnis, d'extraterrestres et de leurs fréquents voyages sur Terre. C'est en tout cas ce que prétend l'ancien pilote de l'armée américaine Alex Collier. Selon lui, dans les années 1980, par un bel après-midi, après s'être endormi sous le porche de son grand-père, il s'est réveillé entouré d'êtres à l'apparence différente. Collier affirme qu'il s'est retrouvé dans une pièce sombre avec deux extraterrestres connus sous le nom d'Andromédiens, appelés Visae et Moroane. Il a passé 92 jours à bord du vaisseau spatial extraterrestre, ce qui correspond à 18 minutes en temps terrestre en raison de la dilatation du temps ou des dimensions alternatives. Pour communiquer avec les Andromédiens, Collier a dû porter une ceinture spéciale. Heureusement qu'il l'a fait, car on lui a dit que les humains n'étaient pas la seule race extraterrestre dans l'univers. Il a déclaré « Notre science nous dit qu'il y a 100 milliards de galaxies, mais nous ne regardons qu'une seule dimension. » Selon les Andromédiens, il y a 100 billions de galaxies et chaque galaxie contient de la vie. Nous sommes loin d'être seuls. L'univers est vaste, nous commençons à peine à voyager dans l'espace et nous allons trouver des ruines partout. Collier affirme également qu'il a été forcé de quitter les extraterrestres alors qu'il avait plaidé et pleuré pour rester à bord du vaisseau pour toujours. Si nous devions croire les Andromédiens sur parole quant à l'existence de milliards de galaxies, combinées à la présence confirmée d'exoplanètes et de systèmes planétaires, cela ne vous obligerait-il pas à croire pour une fois que nous ne sommes, après tout, pas seuls dans cet univers? L'expérience d'Alex Collier est l'une des nombreuses enlèvements par des extraterrestres qui se sont produits au fil des décennies. Depuis les années 1950, l'enlèvement d'êtres humains par des extraterrestres est un phénomène très répandu aux États-Unis. L'un des récits d'enlèvement d'extraterrestres les plus populaires date de 1961 et concerne le couple Barney et Betty Hill. Connu sous le nom d'enlèvement Hill ou d'incident Zeta Reticuli, le couple a affirmé avoir été enlevé par des extraterrestres dans une zone rurale de l'État du New Hampshire. Betty affirme qu'alors qu'il conduisait, elle a observé un point lumineux dans le ciel qui se déplaçait depuis le dessous de la Lune et de la planète Jupiter, vers le haut à l'ouest de la Lune. Elle a d'abord cru qu'il s'agissait d'une étoile filante, avant de se rendre compte qu'elle se déplaçait de manière erratique et qu'elle devenait de plus en plus grosse et brillante. Cependant, alors qu'il continuait à rouler sur la route, l'objet en forme de crêpe est descendu du ciel, obligeant le couple à s'arrêter brusquement. Des humanoïdes portant des uniformes noirs brillants et des casquettes noires sont sortis du vaisseau spatial, leur demandant de rester où ils étaient. Après la rencontre,
Le couple est rentré chez lui et chacun a fait un dessin de ce qu'il venait de vivre. En outre, le coffre de leur voiture était orné de cercles concentriques brillants qui n'existaient pas la veille. Le couple utilise une boussole, et en l'approchant des points, l'aiguille tourbillonne rapidement. Mais lorsqu'on l'éloignait de quelques centimètres des points brillants, l'aiguille retombait. Après de longues délibérations et un entretien de 6 heures avec les autorités, leur récit s'est avéré véridique. Leur rencontre avec des extraterrestres a ensuite été adaptée dans des bandes dessinées, des séries télévisées et des films. Cependant, ce qui est unique dans certaines expériences d'enlèvement par des extraterrestres, c'est que ces derniers utilisent des humains à des fins d'expérimentation et de procréation. Cela ne vous rappelle-t-il pas le film de Marvel, Les Gardiens de la Galaxie ? Peter Quill, interprété par Chris Pratt, est à moitié humain et à moitié extraterrestre depuis que son père, Ego, un céleste semblable à un dieu, est tombé amoureux de la mère de Quill, qui est une humaine. Bien que nous n'ayons pas encore connaissance de la présence de tels humanoïdes parmi nous, nous ne pouvons pas en exclure la possibilité. Le cas de Mark H. est particulièrement étrange. Selon Mark H., il s'est réveillé au milieu de la nuit et a découvert des silhouettes non humaines près de son lit. Sous hypnose, il a révélé qu'il avait été emmené dans un grand vaisseau spatial et placé dans une salle d'examen médical. Là, on lui a demandé d'avoir des relations sexuelles avec l'un des extraterrestres, avant de le ramener sur Terre. Aux États-Unis, près de 4 millions de personnes ont affirmé avoir été enlevées par des extraterrestres. Des cas ont également été signalés en Angleterre, en Australie, au Brésil, en Italie et en Pologne. Cependant, ce qui est spécifique à ces enlèvements et à ces observations d'OVNI, c'est la nature des événements qui s'en suivent. Les enlèvements ont lieu dans l'obscurité, pendant que les gens dorment. Les victimes ont tendance à remarquer qu'une lumière bleue ou blanche intense émerge du ciel et que les terriens sont emmenés pour la procréation. Quant à la description des extraterrestres, la plus courante est celle d'extraterrestres gris, ressemblant à des humains avec un petit corps, une peau lisse de couleur grise, une tête large et glabre et de grands yeux noirs. Donc, si d'autres planètes avec de la vie existent. Et si les allégations d'enlèvement et de procréation sont bien réelles, que devons-nous en penser en tant qu'humanité? Les extraterrestres utilisent-ils notre planète comme terrain d'essai? Et pourquoi sommes-nous toujours prêts à rejeter la probabilité que des humanoïdes vivent parmi nous? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à Lab 360 pour connaître les dernières révélations en matière d'exploration spatiale. Cliquez sur l'icône de la cloche pour rester informé, et continuons à explorer ensemble.